landed and kissed away. Her innocence is buried in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Je me suis retrouvé ici en décembre 2001. C'était pas possible de rénover et donc on a décidé de construire un hôpital. Et comme toujours dans les drames, on commence par les enfants. Donc la première chose, ça a été de construire cet hôpital pour les enfants. On a opéré plus de 15 000 enfants et dont 1000 à cœur ouvert. Voilà. L'impossible est devenu possible. Alors là, on voit parfaitement, ici c'est toute la première partie avec le deuxième et le premier étage qui sont l'hospitalisation, ici tout le bloc avec le bloc opératoire, la réanimation, et ici tout ce terrain vague qui sert pour l'instant de parking et de terrain de jeu pour les enfants, et j'espère que dans 3 mois, on va pouvoir commencer l'aile de la mère. L'aile de la mère, c'est-à-dire l'aile pour la gynécologie et l'obstétrique. Pourquoi la gynécologie et l'obstétrique? C'est qu'une des premières causes de mortalité des femmes en Afghanistan, c'est la grossesse. La grossesse, c'est souvent mortelle. Une femme meurt toutes les 30 minutes en couche. Si tout se passe bien, j'espère que les bulldozers et les pelleteuses sont là dans 2 à 3 mois et qu'on va commencer, surtout qu'on va commencer avant l'hiver.